Tu vois le genre, quoi. Et ouais. Donc le type balance un tir de suppression à la bonne purée, il les arrose histoire de les fixer. Et pile à ce moment-là, t'as un hélico qui apparaît. C'est le sniper qui les fixe? Non, c'est l'autre, c'est le Petnov. Ah, okay. Donc le sniper repère l'hélico rapidement. Le gars, il prend son temps pour viser, tu vois. Il reste super calme. Il tire un coup et BAM ouais. Il abat le pilote. Non, tu me fais sérieux? Je déconne pas, mec. D'un seul coup, en plein dans la tronche du type. Bam. C'est la grande classe. Et hey, c'est pas fini, hein. L'hélico se met à piquer du nez et BAM. Il se crache sur les positions ennemies et il explose. Dans mon souvenir, tu l'as bien abattu d'un coup. Mais c'était au lance-roquette. Ouais. Alors, tu leur dis ce qui s'est passé? Non, je préfère leur version. Personne ne s'attendait à une découverte pareille. Une telle orgie d'équipements militaires n'aurait jamais dû nous échapper. Et c'est bien ça le plus inquiétant. La NSA, la CIA et la DIA ont mis toutes leurs données en commun pour élucider cette affaire. Trugova fait partie de Raven's Rock, une faction rebelle qui sévit en Russie. Nos analystes sont à pied d'œuvre, mais les implications sont profondes. D'après Langley, Raven's Rock transfère un système balistique à un groupe d'extrémistes. Je vous le dis, cette opération est une mauvaise idée. Je le sais, vous le savez. Mais nous devons malgré tout la mener à bien. Vous devrez opérer sans filet en plein territoire russe. L'opération est risquée, mais le risque serait encore plus grand si cet équipement nous filait entre les doigts. Messieurs, nous avons tout intérêt à ne pas nous rater. Overlord, Hunter en approche de la cible. Reçu, Hunter. Restez bien concentré, vous pénétrez dans une base militaire. La riposte sera immédiate. Compris. On vous recontacte à notre arrivée. Hunter terminé. L'objectif prioritaire, c'est la cargaison. On doit localiser le matos et le détruire avant qu'il vous file entre les doigts. Restez concentré. Mobile. Ennemi, pile en face. Deux, avec des fusils d'assaut. Ça fait deux cibles. C'est bon. Deux cibles marquées. Parlez à tirer. Zone sécurisée, c'est bon. Deux autres. Mettez-vous à couvert. Faites pas repérer. Mobile vers position. Troisième en vue.
quand tu veux. C'est bon. Trois cibles. Resserrez sur moi. Affirmatif, Hunter. Vous arrivez à une portion de la piste extrêmement dangereuse. Il y a un autre conduit de l'autre côté. Ça vous rapprochera de la cible. Bien compris. Restez à couvert, soyez mobiles et jouez pas les héros, compris ?
Compris. À 3 heures, contact. Tu comptes combien? 2 soldats. Camion de transport. Là, à 3 heures. Cible abattue. En voilà un autre. Où est-ce qu'il est? Dans la droite. Voilà d'autres. Trois. Trois devant. Faut que je recharge. Un de plus. À 3 heures. Un mouvement. Désigné. J'attends le signal. Attends le signal.
coordonne les tirs. J'active. Attention, ils sont tombés sur un cadavre. Contact. Mode camouflage. Ennemi droit devant. J'envoie 3. Un véhicule. J'ai buté. J'ai un sniper ennemi en visuel. En voilà un autre. Où est-ce qu'il est? À droite. À côté du conteneur de fret. Prêt à tirer. Deux désignés. Go. Un de plus. À tout à l'heure. De plus. Sur ta gauche.
falloir refaire le coup du drone. Ça va, moi il fait sec. Drone actif. C'est bon, on continue. Hunter Overlord, l'objectif a été transféré et chargé à bord de l'avion cargo. Il se prépare au roulage. Reçu, Overlord. C'est bon. On est tout prêt. Cible abattue.
avant. Attaquez-les par le flanc. J'ai eu. Ils sont dans les camps. L'ennemi est outillé. Vous me recevez ? 5 sur 5, Hunter. Où en êtes-vous ? Je crois bien qu'on s'est fait remarquer. Vous pouvez vous extraire ? Oui, ça devrait pouvoir se faire. Au cas où, nous avons des chasseurs en stand-by prêts à intervenir si vous en avez besoin. Bien sûr.
crois qu'on les a énervés, chef. Faudrait mieux pas traîner ici. Si ça se trouve, ils ont chié avec les incendies. On verra bien. Si ça tourne vraiment mal, Overlord peut nous couvrir. Espérons juste qu'on n'en arrivera pas là. Tout va bien. Bon, le danger
accès immédiat est écarté. Pour les retombées politiques, c'est une autre histoire. C'est génial ce truc, non mais regarde un peu ça. Qui irait se foutre là-dedans? Sérieux, c'est un téléphone. Sorry, man. Bah, ça date d'avant les portables, je trouvais ça plutôt cool. Eh, hey, c'est quoi ça? On dirait un genre d'avion. Ça ressemble pas vraiment à un avion. Non, vas-y, vas-y, continue de filmer. Ah ouais, le truc palpitant, laisse tomber. Oh putain! Oh! Oh! Eh, un peu gaffe, merde, attention, attention! Cours, cours! Eh, hey, stop! Autobus! Autobus! Hey, est-ce que ça va? Putain, regarde ça! Putain, merde, merde! Arrête, arrête de filmer là! Merde, t'as vu ça? Merde! Viens! Oh putain, c'est pas vrai! T'as vu ça pour l'intérieur? Merde! Allez, viens! Par là! Oh merde, t'as vu ce mec? Il a la gueule en sang! Arrête de filmer! Mais arrête de filmer! Lâchez-moi! Lâchez-moi, putain! Attention! Cours! Cours! Mets-toi! Oh merde! 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 Ça va? Allez vieux, relève-toi! J'ai besoin d'aide! Aidez-moi! Collision de satellite. C'est la version officielle. Oui, mais c'est pas un engin nucléaire. Ça colle pas, les dégâts sont pas assez importants. Et pourtant si. Heureusement, grâce au bouclier antimissile, on est parvenu à détruire l'ogive. On a un vrai bouclier? Je croyais que c'était bidon. C'est ce qu'on appelle de la désinformation. Bref, parlons de l'objectif qui vous concerne. Le site de lancement. Laissez-moi deviner. Les Russes affirment qu'ils sont blancs comme neige? Quoi? Pile à l'heure. La ramène pas. Les premières infos sur le lancement émanaient de Moscou. Ils sont aussi sur Prykno. Sûrement un détournement terroriste. C'est peut-être celui que vous pistiez il y a quelques mois. Mais pour l'instant, Londres est visée. Et quelqu'un a des comptes à nous rendre. La situation est critique. Le gouvernement russe nie en bloc, mais celui-ci l'a bel et bien été lancé depuis la Russie. Que Ravensrock soit ou non responsable du lancement, une chose est sûre. Ils appellent en coulisses au renversement du président Volodin. Leur plan commence à prendre forme et ça n'a rien de rassurant. Nous ne sommes pas en position d'intervenir dans leur lutte de sérail, mais nous ferons pour le mieux. L'analyse balistique situe le site de lancement au Daghestan, à l'est de la frontière géorgienne. Les Géorgiens ont déployé une unité des forces spéciales pour mener l'enquête, mais ils ont perdu le contact. Nous avons accepté de les aider à trouver leur escouade et des réponses à nos questions.